drone limits. Madame et Monsieur, bonjour et bienvenue sur Nuance Reborn. En dessous de cette vidéo, surtout abonnez, cliquez là-dessus, activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo. La vidéo que vous allez suivre est un témoignage très puissant. Alors je vais vous demander de prier avant de commencer le visionnage. Parce que ce qui va s'en suivre est vraiment excellent. Ça va vous ouvrir les yeux sur tout ce qui se passe dans votre vie que vous ne savez pas. À la fin, priez le Seigneur Jésus-Christ. Et je vous dis en même temps que la vidéo n'est pas terminée. Il y aura la suite. Vous en saurez plus tard. Bon visionnage à tous. N'oubliez surtout pas, abonnez-vous à cette vidéo. Activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt sur Nuance Reborn. C'est parti. Bon visionnage à tous. La dernière fois, j'avais parlé de la sorcellerie familiale appelée la sorcellerie ancestrale. Bien-aimés, la Bible dit, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Bien-aimés, vous venez d'une famille qui est issue d'une autre famille. Cette famille-là est aussi issue d'une autre famille, vous devez savoir que toutes ces familles sont dirigées par un système qui était opérationnel avant même votre arrivée, vous devez savoir que vous êtes né dans un système et structure familiale. Ce que nos ancêtres ont fait dans le passé a la capacité de nous bloquer aujourd'hui. Le système familial et la structure dans laquelle nous sommes nés a déjà détruit les aspirations de beaucoup qui sont venus avant nous dans nos familles. Ce système a détourné le destin de ceux qui sont venus avant nous. Et puisque nous sommes nés dans ce système familial, nous devons savoir que nous opérons dans le loi et limites imposées par le système, et donc nous serons affectés par le système, jusqu'au jour où nous allons le crouler et le renverser, afin de mettre en place un nouveau système et fondement. Bien aimé, il y a des choses qui ont été plantées et établies dans nos familles avant notre arrivée et notre naissance, il y a des fondements, des lois et des barrières qui existaient dans nos familles avant notre naissance, bien aimé. Si vous voulez construire un bon mariage, une bonne vie, vous aurez à déraciner et écrouler l'édifice. La structure et le fondement établi dans votre famille bien avant votre arrivée dans cette famille, il y a une plante dans votre famille qui porte des mauvais fruits que vous allez devoir déraciner, autrement votre vie, mariage et normes sociales va se reposer sur le fondement et le système existant, qui a été mis en place par des ancêtres et des sorciers qui ont opéré dans la famille avant votre arrivée. Raison pour laquelle la Bible dit dans Jérémie, l'Éternel étendit sa main, et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Bien-aimés, nous avons 6 obligations, 4 de ces obligations a pour objectif le démantèlement de fondements, de structures et de forteresses. Et 2 de ces obligations consistent à planter et construire, et donc pour construire il faut d'abord détruire, si nous ne parvenons pas à détruire les structures existantes dans nos familles. Tous les efforts que nous allons faire pour établir une nouvelle fondement échoueront, le Seigneur a dit à Jérémie, vous devez d'abord déraciner, détruire et renverser, c'est alors que vous pourrez construire, mais aujourd'hui beaucoup de chrétiens n'ont pas réussi à renverser le fondement et le forteresse de leur famille. Ils bâtissent sur des fondements précédents, qu'ils devaient détruire, on a passé toute notre vie à essayer de construire au lieu de détruire d'abord les fondements existants. Il est écrit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, et tu seras une source de bénédiction, bien-aimé. En Afrique, nos combats et nos tourments viennent souvent de nos familles. Raison pour laquelle Dieu a dit à Abraham, sépare-toi de ta famille, quitte ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Beaucoup de nos parents avaient des aspirations mais ils n'ont pas accompli leurs plans. Et nous avons des aspirations comme eux, mais nous faisons exactement ce qu'ils ont fait. Nous sommes supposés savoir ce qui a fait qu'ils échouent dans leurs aspirations. Pourquoi aucun membre de notre famille n'a percé?
Salomon disait qu'il n'avait pas à combattre car son père David avait combattu et avait vaincu ses ennemis, David son père avait vaincu Goliath, raison pour laquelle Salomon pouvait se reposer, bien aimé, c'est parce que nos parents n'ont pas réussi à détruire le force qui les empêchait de progresser que nous sommes dans la même situation. Et si nous ne parvenons pas à vaincre ces forces qui nous mettent si dans la pauvreté, nos enfants seront victimes comme nous. La question principale est ceci, qu'est-ce que nous sommes supposés de raciner, abattre et démolir? En vrai dire, le fondement est la structure qui doit être renversée et ce que nous appelons l'autel familial. Car les lois qui régissent nos familles sont basées sur les autels, ce sont les autels érigés par les ancêtres et les sorciers qui déterminent le mode de vie que nous voyons dans nos familles. Ce modèle de vie est la configuration spirituelle dictée par l'autel familial. Une fois que nous renversons l'autel familial, la forme et la configuration de nos familles changera. Et donc nos familles ont de configuration, nous sommes nés dans de familles qui ont été configurées et modelées d'une certaine manière. Nous allons prendre la forme de ce modèle à moins que nous puissions renverser l'autel qui détermine notre mode de vie. L'autel est la base qui soutient la configuration de notre famille. C'est-à-dire l'autel de nos familles parle contre nous. L'autel familial est le système qui opère dans nos familles. Toi et moi sommes nés dans un système qui nous influence et met de barrières dans notre vie. Dans le monde des esprits, chaque famille a un modèle, et les gens prennent la forme et le modèle de leur famille qui est dicté par l'autel familial. L'autel est un programme qui fonctionne dans la famille et contrôle la famille. Les autels fonctionnent comme des prisons, et nous sommes nés dans les familles qui sont comme des prisons. Un prisonnier n'est pas libre, il est surveillé, il est contrôlé. Quand nous sommes venus à Christ, c'est comme si nous sommes sortis du prison. Mais nous portons toujours des étiquettes, beaucoup de nos ancêtres ont soulevé des autels sans réaliser l'implication future de leurs actions. Quand nous sommes nés, nous nous sommes retrouvés sous la puissance de ces autels. L'une des raisons pour laquelle nous sommes nés dans cette famille dominée par les autels est ceci. Nous devons renverser, démolir et détruire les autels afin que nos familles soient finalement libres. Vous voyez, ce témoignage n'est pas terminé. Il y aura une suite. Alors abonnez-vous rapidement sur cette vidéo, activez la cloche pour ne pas manquer la suite. Waouh, ça va être chaud, vraiment chaud. N'en serait pas heureux.